Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du défi du jour 4 des fleurs. Donc aujourd'hui on va le faire sur un nouveau support comme tous les jours. J'ai fait un tag, enfin j'ai pris un tag, il y avait la petite ficelle du genre. J'ai trouvé ça à nos, il me semble. Donc le tag fait 9,5 sur 6,3. Voilà, et donc aujourd'hui, on va faire celle-ci. Il n'y a pas de tige, aujourd'hui il n'y a pas de yeux, ça change. Alors, j'ai pris comme d'habitude dans mes chutes, donc j'avais un petit bout comme ça, même plus dans quel album, derrière c'était bleu, j'ai pris cela, là c'est pas la bonne couleur. Donc j'ai fait les découpes auparavant et j'ai sorti les petites traces gris et blanc pour on mettra du blanc, je pense. Donc j'avais envie de faire sur du craft. Voilà. Alors pour ça, donc on a notre première découpe. Donc celui-là, il est plein. Il n'est pas le tour, il est plein. Donc on va le mettre comme ça. Et avant de le coller, par contre, on va mettre les feuilles parce que je les voudrais en dessous. Et le cœur, j'ai repris celui-là avec j'ai embossé là. Donc c'est pas mal. Et j'ai 4 feuilles. Voilà. Donc comme je vous disais, on va d'abord coller les feuilles. Ce que je voudrais en dessous. Donc on prend une. Donc j'ai regardé avant un petit peu pour les placer. Alors, hop, je colle. Faut que la colle descende. Voilà. Alors, hop. Je colle pas celui-là. C'est juste pour savoir où je vais les placer. Voilà, une fois que c'est collé, là, ensuite je remets la deuxième. Deux. Non, ça fait des oreilles du lapin. Ah ben là aussi. J'aurais dû mettre plus penché. Alors on va la mettre là. En fait, je me rappelle plus ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et pour les deux autres, on va les mettre en bas. Voilà, comme j'ai pu, je fais pas la même chose que tout à l'heure. Il faut que je trouve comment faire.
allumé comme ça. J'en ai juste ça pour les coller. Hein? Et la dernière. Je l'aime, tu vois. Tu vois, tu peux la décoller sans la déchirer. Elle est trop droite. On va voir. Ah non, je sais pas. Ça se déchire. Ouais. Bon, maintenant, on va coller la fleur. C'est les bouts en fait qui ont du mal à coller. Oups. On appuie. J'ai toujours peur de mettre trop de colle, donc j'en mets pas assez au bout et après. Donc voilà ce que ça donne. Et on va coller le centre. Je garde côté embossé à l'extérieur. Ensuite, ben, il nous reste la déco. Alors, par contre, j'aimerais bien mettre un petit rond quand même au milieu, mais pas un transparent. Alors, attendez, je trouve la couleur qui irait avec. Que dans le noir, je suis pas sûre d'avoir des noirs. Si. Si, je vais le prendre. Alors, voilà. Je vais prendre cette tonche. Il y a des noirs. Alors. Hop. Donc ça, c'est les ribombelles de strass, ils sont tous collés les uns aux autres, donc on tire, il y a un petit espèce de fil plastique que j'enlève, sinon ça n'est pas joli. Hop, attends.
C'est petit. Voilà. Voilà. Les petits. Moi, je mets toujours un peu de colle, vous savez. Hop. Juste un peu. Là. J'enlève la colle. Là, c'est au milieu. Voilà, ça va. Et autour, on va mettre les fameuses petites fleurs. Alors, on va mettre pas une grise, sinon ça va. On va mettre une. Enfin, elles sont grises, mais très très pâles. Voilà. Et là, je vais mettre un petit diamant. Un petit peu de colle. Voilà. Juste une goutte. Ah, ça colle. Voilà. Juste la colle qui y passe. Voilà. Voilà. Et voilà ce que ça donne. J'avoue, j'aime bien. Sur du craft, c'est pas mal du tout. Ça change. Donc voilà la petite création du jour, du défi 4 des fleurs. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Et je ferai le tirage au sort ce soir. Et comme d'habitude, je ne préviens pas. Je vous envoie par surprise. D'ailleurs, il y en a deux les deux premiers jours. Non, trois. Les deux premiers, oui, qui sont déjà partis. Vous aurez la surprise dans votre boîte aux lettres. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour participer au tirage. Voilà, c'était la petite carte du jour du défi 4 des fleurs. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 5. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. Ce soir, vous aurez un haul action. Je vais cet après-midi. Donc, à vos claviers pour laisser un petit commentaire. Et je préfère rappeler pour celles qui laissent un commentaire. Envoyez-moi un MP pour celles que j'ai pas. Votre adresse mail, votre adresse postale. Comme ça, si vous êtes tiré au sort, eh ben, je peux vous envoyer votre carte. Donc, jusqu'à présent, j'ai de la chance, les filles, j'avais leur adresse. Mais il suffit une fois, laissez-moi votre adresse postale par MP. Comme ça, si vous êtes tiré au sort, je vous l'enverrai. Voilà, ben, passez une bonne journée et on se donne rendez-vous demain pour le jour 5. Bye bye tout le monde.